qui côté mort yo aller après yo fin mourir. Les moun mouri immédiatement qui côté ou aller. Nous tout cap vivre sur la terre, nous connaît nous pas immortel. Nous tout connaît nous gè pour mourir un jour, quel que soit mon ouille. À moins que l'église là li enlevé pendant encore vivant, autrement ou gè pour grand monde mourir. La mort, tout le monde pas vu même gens. Nous mourir différemment. Gagner c'est pas maladie, c'est maladie qui mène dans la mort. Gagner c'est un accident et on pas survivre. Gagner c'est assassiner, tuer. Mon ami, la mort vient de toute façon. Et pas de un seul monde qui a échappé, les gens m'ont frappé dans la porte. Dans Matthieu 6, verset 27, Jésus confirme ça, ça nous dit là. Il dit, qui est-ce dans nous, à cause d'inquiétude, qui a ajouté même un coudé sur la ville? Personne pas capable. Et les jours pour l'arrivée, pas de rien ou qu'a fait pour bloquer. Ou bien pour contourner. Mais kounia, au lieu de nous parler de possibilités pour nous tout passer par la mort, que nous tout connaissons déjà, on met l'accent plutôt sur qui ça qui immédiatement passé après yon moun fin mouri. Qui côté n'a dit nous aller tant mettre là pendant jour résurrection pour qu'on arrive. Qui côté moun qui mouri yo, yo yé kouni yé ya. Quel que soit ce moun ki chrétien ou bien moun ki païen, ki kote yo séjourné. Nan plusieurs versets nan parole bon Dieu, nous li en pile promesse bon Dieu fait ak moun kap servi li. Après jou résurrection et nous joignent toute conséquence la honte et l'enfer. Pour les gens qui étaient méchants et qui étaient refusé l'évangile là. Nous tous qui avons servi bon Dieu, nous attendons la promesse de résurrection que Jésus fait nous. Et même le peuple Israël attend la promesse à tout. Mais l'église là, avant tout. Dans Jean 14, verset 1er, si Jésus expliquait, il a préparé une place pour nous. Laisse à fin fête. La tourne vini chercher nous. Mais kounia, pendant le poko fin préparer place là, li poko tourne vini chercher nous. Si nous mouri kounia, qui kote n'ale? Nda mon bien comprendre position ou bien comprendre et inquiétude en pile monde sous dossier ça. Dans 1 Corinthiens 15, verset 51 et 52, parole bon Dieu expliqué. Nous gain pour nous ressusciter pour nous joindre Jésus dans le jour enlèvement. Mais c'est pas seulement nous. Dans Daniel 12 verset 2, il dit en pile dans monde qui était mort, il gain pour ressusciter. En paix pour la vie éternelle, quelque l'autre pour la mort éternelle. Ça explique que tout le monde gain pour ressusciter. Mais chaque monde n'a pas pa yo. Nous mon comprendre. Apocalypse chapitre 20 parle de jugement dernier. Côté tout le monde est pour juger. Il dit grand ou petit. Si le monde est grand, monde esclave ou libre. Riche ou pauvre. Savant ou illettré. Il est tout pour camper en jeu devant le grand trône blanc pour juger. Quand il y a la première partie, c'est enlèvement de l'église. La. Deuxième, c'est la première résurrection pour le monde qui est mort dans la grande tribulation. Qui te croit dans Christ là, qui te accepté mourir au lieu pour te prendre Macbeth là, pour te servir diable là. Et troisièmement, c'est pour tout le monde net qui perdit pour y aller juger devant le grand trône blanc. Depuis sorti dans Adam, arrivé juste dans le dernier grand monde qui vient pour mourir. Yo qui pour y aller camper devant le grand trône blanc et pour juger pour y aller dans l'enfer. Bien aimé, avec toute promesse ça yo. Nous arrivons à comprendre qu'il y a une vie après la mort.
Mais ça nous besoin éclaircir, c'est pendant promesse ça au pas accompli. Qui côté moi aller? Qui côté yo yé? Soit chrétien, soit païen. OK, non c'est ça pour nous répondre ensemble avec question ça. N'a mettre en évidence sept courants de pensée. Sept courants de plus, c'est pas sept seulement, il y a pile mais c'est sept grands courants de pensée qui dans le monde aujourd'hui. Et gagner là-dedans yo nous joindre dans mitan dans milieu chrétien. Plusieurs enseignements qui parlaient sur qui ça qui passait immédiatement avec monde qui mourir après au fin mourir. OK, n'a regarder sept groupes de monde, sept groupes de pensée. Qui parlait sous dossier ça qui vini avec interprétation paio concernant qui ça qui rivé avec moun qui mouri. Premier groupe chrétien yo, alors m'a dit premier groupe n'a pour yo, c'est un groupe qui dit yo quoi les moun mouri quel que soit moun nan li tout fini pas gen rien après la mort. De pour fin mourir ou mourir net. Ça c'est premier groupe là. Deuxième groupe là, yo croit que après nous fin mourir, nous gain pour nous réincarner sur une autre chair, soit moun soit bête pour nous revivre une autre vie. Après nous mourir encore, n'a réincarner et suite ensuite jusqu'à ce que nous atteignions perfection. Troisième groupe là, yo croit gain jugement ak récompense après la mort. Mais moun ki mouri yo pa gen aucune conscience. Yo seulement pas exister encore pour jusqu'à ce que bon Dieu ressuscite yo et que ces jours mort yo c'est tombeau côté enterré yo. Nous jeune groupe témoin Jéhovah qui croit ça dans sens ça. Bon quatrième groupe qui croit que depuis yon moun mouri li aller directement nan sa rele lambo, sa rele pigatoire pour y al purifier nanm yo avant yo rentrer nan paradis. Mba gen aucune source de côté rejoine. Cinquième groupe la kwè que tout moun ki mouri yo chrétien ou païen descend nan un lieu qui rele séjour des morts et yo tout yo ensemble pa gen distinction et c'est là y a tant de résultat vie yo te gagné sur la terre nan jugement nan jugement. Sixième groupe là, yo croit que séjour des morts c'est l'enfer. Tout monde qui méchant qui mourit tout à l'enfer. Et chrétien yo tout à dans ciel, pas gagne rien encore. Septième groupe là, li croit que séjour des morts. Tout monde qui mourit bon ou mauvais t'est allé là-dedans dans l'Ancien Testament. Li t'est divisé en deux, une partie qui est les saints d'Abraham. Qui était un côté en paix, en joie, côté juste et l'autre partie c'était un côté tourment et souffrance, c'est la méchant yo al. Groupe ça croit tout les Jésus fin comme des gars dit ça, les Jésus t'est fin mourir, il était allé dans lieu ça, il éliminer partie qui c'est Saint Abraham non, il prend tout juste ça yo, il monter avec dans paradis. Alors li monte avec ou bien li retire parti ça li monte avec dans ciel là la mette yo dans yon parti qui rele le paradis. C'est même paradis ça li te promet là en gauche là après elle fin mourir immédiatement li pralé dans paradis. On nous essaie garder bon côté et mauvais côté de chaque groupe ça yo. Après moi ka di ou ki groupe moi comprendre qui pi appuyer sous parole bon Dieu pour qui ça c'est comme ça moi quel tout dans domaine ça moi pas qu'à absolu parce que c'est celle à partir de parole bon Dieu moi t'a parlé parce que moi beaucoup mourir moi pas de aucune connaissance de vie après la mort même quoi dans sa parole bon Dieu dit et c'est ça nous va louer ensemble. OK, nous t'ai dit que premier groupe là li croit que les yo moun mouri quel que soit moun nan li tout fini pa gen rien après la mort de pour fin mourir ou mourir net c'est seul sur la terre nous gen pour nous vivre pa gen rien après nous fin passer sur la terre ou pas jamais réveiller encore. Théorie ça en pile païen quoi
Et malheureusement, en pile moun ki l'église kwè même baga la tout. Yo basé croyant ça sous Job chapitre 14, verset 10 à 14. Qui insinuait les l'homme mouri, li rete inerte, inactif. Dans verset 11 là, il dit tant que celle-là a terre existé, l'homme pas jamais réveillé de sommeil en mort. Dans verset 14 là, Job posait une question, il dit les l'homme mouri, li ka revivre encore. Si c'était vrai, moi t'ap gardé espoir. Bien-aimé, dans ce sens, yo conclu que après la mort, pas gagné rien encore. Mon ami, yo croyance comme ça pas un rapport avec enseignement général parole bon Dieu. C'est pas ça parole bon Dieu enseigné. Parole bon Dieu enseigné yon vie après la mort. Dans Hébreux 9 verset 27, parole bon Dieu dit bien clair. Yo commandé l'homme pour mourir une seule fois. Après ça, c'est jugement qui cap venir. Ça veut dire après fin mourir ou pral juger. Ça veut dire sous pral juger qui ont vie après la mort. Dans Jean 11 verset 25, Jésus dit yo, moi c'est résurrection et moi c'est la vie. Moun qui croit en moi qui pour vivre même après le fin mourir. Non, vous comprenez ça. Jésus même dit qu'il y a une vie après la mort. Dans Actes chapitre 23, verset 6b, apôtre Paul crie, il dit c'est à cause espérance moins gagnée que moi, que pour ressusciter, que a persécuté. Bien aimé, sans pas besoin de prendre l'autre verset, texte ça a prouvé que la mort pas la fin de l'homme. Il s'est fait la vie de l'homme sous la terre. Mais ou pas fini net. Après la mort, nous devons ressusciter pour nous juger. Ça montre que croyance ça, pas chita sur la parole de Dieu, pas chita sur la vérité. Deuxième groupe la quoi, nous te dit après nous fin mourir, nous devons nous réincarner sur l'autre chair, soit moun soit bête, pour nous revivre l'autre vie. Après nous mourir encore, nous réincarner et suite ensuite jusqu'à ce que nous atteignions perfection. Croyance réincarnation, pas chita dans la parole bon Dieu. Li sorti dans la religion hindoue à croyance bouddhiste. Les mayas qui croient dans le phénomène de un homme immortel qui seulement ka réincarner sous différentes formes. Alors, yon idée comme ça, pas chita sous confiance yon moun gen nan bon Dieu, li pa chita sou l'évangile, li pa chita sou parole bon Dieu. Yon moun kon sa pa kwè nan bon Dieu dit tout. Li simplement kwè que l'homme existe par lui-même et puis puisque l'âme est immortelle, li pa jam fini net, l'a toujours réincarné. Parole bon Dieu démenti concept ça. Parole bon Dieu dit non, l'homme l'immortel. Et c'est bon Dieu qui a réveillé du sommeil de la mort. L'homme mortel, il pas immortel. L'homme dans ka mouri. C'est vrai. Dans Ézéchiel 18 verset 20, il dit bien clair, un homme qui vive dans péché a mouri. C'est ça il dit. Ça explique que les moun mouri, l'homme li mouri ensemble avec lui. Dans Ecclésias 9 verset 10, il dit tout ça mais on joigne pour faire avec force ou gagner. Parce que l'homme vient mourir pas ni travail ni pensée, attendez, ni connaissance ni sagesse. Mot hébreu qui utilisé là, il veut dire tombe sépulture. L'autre bagage en hébreu 9 verset 27, il dit yo bay l'homme droit pour mourir une seule fois. Après ça c'est jugement qui va venir. Ça veut dire les moun nan mouri, nan ni suspend exister sous la terre. Mais l'homme n'a aussi conscient, même avec l'homme riche et Lazare, n'a yon lieu que parole bon Dieu explique que yon yé. Et c'est ça qu'a fait, ouais, dans parole ça. Ça montre bien clair, croyance, ça pas chita son yé, li pas vérité. Si vous voulez qu'on plus bagaille sur incarnation ou réincarnation, ou qu'attendez des vidéos vous gagnez sur channel YouTube ça. Channel YouTube ça même qui titre incarnation et réincarnation que dit la Bible pour nous montrer que
l'incarnation ou bien réincarnation, li pa chita sur la parole de Dieu. Troisième groupe là dit que gen jugement ak récompense après la mort. Mais moun ki mouri yo pa gen aucune conscience, yo seulement pas exister encore pour jusqu'à ce que bon Dieu ressuscite yo. Et que ces jours moyo, c'est tombeau côté enterré yo. Croyance en partie est bâti sur Daniel chapitre 12 verset 2 qui dit en pile nan moun k ap dormi nan poussière la terre gen pour réveiller. En paix pour la vie éternelle et l'autre pour la honte éternelle. Ak sou Ecclésiaste 9 verset 10 là qui dit tout ça mais on joine pour faire faire avec force ou gain parce que l'on fin mourir pas gain ni travail ni pensée ni connaissance ni sagesse. Yo insinué que pas gain aucun séjour des morts. Nous juste pas exister pour jusqu'à ce que bon Dieu ressuscite nous. Yo croyance qu'on ça bien-aimé pas aligné du tout avec enseignement Jésus. On a dit enseignement Jésus bail concernant Lazare ak nom riche là. Parce que Jésus dit bien clair dans verset 22 ni Lazare ni nom riche là t'es mouri et puis t'es allé dans séjour mort yo. N'a mon bien comprendre ça. Lazare al côté Abraham et nom riche là al dans lieu tout mort. Jésus pas fait erreur dans ça l'a dit. Li expliquer pendant dans la mort, comme te dit ça, pendant dans la mort, yo te retrouvé yo tous les deux dans séjour mort. Bien-aimé, moi-même moi crois ça Jésus, quel que soit ça yo l'autre monde. Quel que soit analyse yo l'autre monde te fait, quel que soit savant te savant, depuis Jésus en dit il suffit moi-même moi crois, c'est fini. D'abord bien comprendre ça me dit. Nous t'ai expliqué séjour des morts. C'est un lieu qui toujours existait jusqu'au nier. Et c'est dans séjour mort yo nom riche la levé ciel. Li wè Abraham et Lazare campé bon côté dans la joie. Li wè Abraham et Lazare campé bon côté Abraham de la joie. Nom riche la té soif, elle té au courant li soif. Et li mande aide, elle était conscient de tête li. Li gen regret de jèl t'a vive et li mande pour voyer al averti familio qui encore vivant pour yo pas fini côté lié a. Et puis dans verset 30 là, li explique que côté lié a le séjour des morts. Comprenez bien ça qui dit là, ni Abraham ni Lazare et ni nom riche là t'est conscient de tête yo. Yo te conscient de situation yo et de environnement côté derrière. Tout ça c'est pour m'expliquer les yon moun mouri, l'esprit encore existait. Et moun sa bien conscient de situation. Li gen regret, li gen pensé, li gen besoin, bien que yo pas jamais satisfait encore. Ça veut dire croyance moun sa ou pas vraiment fondé. Alors moun ki croit troisième groupe ça, croyance pas vraiment fondé dans parole bon Dieu. N'importe quel quatrième groupe là qui croit que depuis on moun mouri il y aller directement dans l'ambeau, ça ou l'épigatoire pour y aller purifier nan yo avant yo rentrer dans paradis. C'est plus moun qui dans catholique yo qui croit un bagage comme ça. Mais en réalité moi pas jamais ka découvrir qui côté dans la Bible yo joine une référence pour attacher avec. Parce que pas aucun côté dans Bible là qui parle de un purgatoire qui cap nettoyer moun pour voyer dans ciel après yo fin mouri. Purgatoire seulement pas existé dans parole bon Dieu. Dans une conversation avec un prêtre catholique dans domaine ça, il te prend Hébreux 12 verset 23 et il te signalé dans dernier partie verset, il dit esprit justicier qui rivé rentrer dans perfection. Il te veut insinuer que c'est dans purgatoire yo pral rivé dans perfection. Mais ça le te dit à pas kembe, même pour 7 secondes, parce que dans Luc 23, verset 43, Jésus promet non qui te crucifié pour côté là. Ça nous est là on doit là. Que ce jour-là à même, ou à avec dans le paradis. Non, ça te vin juste simplement parce qu'elle te identifié avec Jésus. Et il te connaît les coupables.
Mais Jésus t'est mort pour lui. Comprends bien. Nom ça pas jamais t'a vivre dans la justice. C'est un brigand, un voleur, un assassin, un méchant. Premier côté il t'a doit aller. C'est dans purgatoire si purgatoire doit exister. S'il t'est vraiment existé pour t'a purifier dans lui avant lui entrer dans paradis. Mais Jésus peut-être parle au courant de Jésus peut-être parle pas au courant de un côté comme ça. Un côté qui est le purgatoire. Lui promet monsieur c'est dans paradis à droite, il va aller avec lui. Dans Apocalypse 6 verset 9, dans vision Jésus t'a par apôtre Jean concernant événement yo, lui montrer apôtre Jean qui côté monde qui mourit dans Christ yo. Il dit l'elle ouvre cinquième soir, moi voyager moi ouais en bas l'hôtel bon Dieu. Nom tout monde yo t'est crucifié à cause parole bon Dieu. Et puis à cause témoignage que yo t'a bail. Jésus est le côté ça paradis dans Luc 23 verset 43. Ça veut dire croyance purgatoire pas chita sous parole bon Dieu. Nous pas ca ni quel et nous pas doué ni enseigner. Il pas une vérité. Ce qui est un groupe là croit que tout le monde qui mourit yo chrétien ou païen descend dans un lieu qui est le séjour des morts. Et c'est là y a tant de résultats vie yo. Yo te gagné sur la terre dans jugement. Alors yo croit que quel que soit tes chrétien, quel que soit pas chrétien, nous tout net nous dans séjour des morts nous même côté. Croyons ça chita sur réalité qui existait dans l'Ancien Testament. Avant Jésus-Christ est mort sur la croix, avant d'être enterré et ressuscité, dans 2 Samuel 12 verset 23, 1 roi 2 verset 10, David al dans séjour des morts côté petit Lia, et puis côté grand-parent Lio qui était mort yo, dans Somme 49 verset 16 à 19, Ecclésias 9 verset 10, Genèse 25 verset 28 tout, expliquer tout le monde qui était mort dans cet testament yo aller directement dans séjour des morts. Séjour des morts qui était divisé en deux. Yon parti qui est le Saint Abraham et l'autre parti qui est le lieu de tourment. Alors, selon Jésus-Christ, tout le monde qui t'est sauvé, t'es allé dans Saint Abraham. Et ça qui t'est perdu, t'es allé dans le lieu de tourment parce que pas de personne qui t'est jamais monté dans le ciel avant Jésus-Christ. Mais, thème ça, yon pas répété dans le Nouveau Testament que seulement dans l'histoire Lazare. C'est simplement dans l'histoire Lazare que le répété. Pas de aucun autre côté dans le Nouveau Testament qui montre que chrétien qui mourit à un séjour des morts. Au contraire, la Bible a montré qu'il y a un paradis droit. Apôtre Jean relève en bas l'autel, bon Dieu. Apôtre Paul relève auprès du Seigneur dans 2 Corinthiens 5, verset 8. Jésus même relève le paradis dans Luc 23, verset 43. Ça veut dire enseignement, ça n'est pas vraiment correct. Il n'y a pas rapport à la parole, bon Dieu. Sixième groupe la bien-aimé, croit que séjour des morts, c'est l'enfer. Tout le monde qui est méchant, qui mourit, tout allant dans l'enfer. Et chrétien, tout allant dans le ciel. Pas de rien encore. Pas de aucun jugement, c'est la mort. De pour mourir, c'est un jugement. Ça veut dire qu'il y a déterminé qui compte au bras. Ou tout allant dans le ciel, ou bien tout allant dans l'enfer. C'est comme ça, ça y croyons ça, bien-aimé, chita sous histoire Lazare et promet Jésus te fait avec la ronde gauche. Yo déduit que ce jour des morts, c'est l'enfer. Parce que non riche là, dit, voye Lazare mette un petit goût de l'eau dans la langue moi. Parce que m'a souffri en pile dans la flamme, dit, fais ça. Ça pas vraiment correct avec Apocalypse chapitre 20, qui expliquait que tout le monde qui petit ou grand qui mourir esclave ou libre riche ou pauvre gain pour ressusciter pour y aller juger avant pour y aller dans l'enfer. Selon Apocalypse chapitre 20, l'enfer a venu après jugement. Après jugement grand trône blanc. Alors que nom riche là pas passer dans jugement. N'a bien comprendre ça m'a dit nom riche là pas passer dans jugement. Jésus pas montré nom riche là t'est passer dans jugement grand trône blanc. Et jugement grand trône blanc, c'est une prophétie qui peut accomplir. Ça explique bien clair que lié tout monde ça pas considéré comme l'enfer. Et puis Jésus paraît pas traîné l'enfer tout. Lié le plutôt séjour des morts qui c'est une attente pour jugement. Moi t'arrive ou même captain des vidéos ça pour bien comprendre ça n'a pas expliqué là. N'a montre dans parole bon Dieu il y a une série de croyances qui pas vraiment prend naissance dans l'évangile.
bien que parfois moun ka pense yo a gen référence biblique pour yo, mais c'est seulement un texte qui prend en dehors de contexte et qui pas vraiment prend en considération l'enseignement général et total parole bon Dieu. Ça veut dire une croyance comme ça pas chita sous parole bon Dieu. Ça veut dire après la mort, c'est pas ni et pas ni ou toi aller dans l'enfer ou bien toi aller dans le ciel ou aller dans l'attente pour le jugement. Attente ça li doit le paradis de Dieu ou bien li doit le séjour des morts qui c'est au lieu de tourment pour monde qui pas de croire. On nous garde septième groupe là qui c'est exactement ça moi-même tout te ka dit moi plus appuyé. Et c'est ça moi t'a dit moi ouais dans parole bon Dieu. Septième groupe là croit que gen séjour des morts vrai. Dans ancien testament li différent de nouveau testament. Dans ancien testament tout monde qui t'est mort bon ou mauvais t'est allé là-dedans. Ça c'est avant la première venue de Jésus-Christ. Nous voyons 2 Samuel 12 verset 23, 1 Roi 2 verset 10, Psaume 49 verset 16 à 19, Ecclésiaste 9 verset 10, Genèse 25 verset 28, expliquez ça me dit là. Mais il était divisé en deux parties selon Jésus. Une partie qui est le Saint Abraham qui était en côté en paix et en joie côté juste et Jésus pas traîner le paradis, il était le Saint Abraham. Et l'autre partie là c'était un côté tourment, un lieu tourment avec souffrance. C'est là méchant yo aller, selon Luc 23 verset 53. Bon, même si il t'a paradis, il pas existé même côté ensemble avec séjour des morts encore. Nous croyons que le Jésus fin mouri, il était allé dans lieu ça. Li éliminer parti, c'est ça n'a dit là qui était le Saint Abraham non. Li éliminer parti ça. Li prend tout juste ça yo, la mette yo non, ça relait le paradis de Dieu qui dans le ciel maintenant. M'pas dit c'est devant le trône devant le grand trône devant le trône de Dieu. M'pas dit c'est dans la présence de Dieu directement, mais yo dans un lieu que parole mon Dieu relait en bas l'autel de Dieu dans le ciel. N'a mon bien comprendre. Pas gain aucun côté. N'a mon comment c'est même paradis ça, il te promet là en gauche là après le fin mourir immédiatement. Qui prend dans paradis. M'pas dit immédiatement parce que le mot immédiatement, le mot lui dit jodi a même terme là qui utilise ça en hébreu, il veut dire dans période ça. Dans époque pam dans travail que m'in faire ou gen pour aller ensemble avec dans paradis. Ça veut dire si Jésus t'est monté dans ciel, ce troisième jour, en troisième jour il monter ensemble avec tout monde qui t'est mort dans l'Ancien Testament, qui t'est chrétien ou bien qui t'est serviteur ou bien servante ou bien prophète bon Dieu, il a metté yo dans le paradis de Dieu. C'est même paradis ça. Moi dit que il te promet là en gauche. Pas gain aucun côté dans le Nouveau Testament qui montre chrétien qui mourir à dans séjour des morts encore. Au contraire, il montre il dans paradis droit. Apôtre Jean relève en bas l'autel bon Dieu. Apôtre Paul relève auprès du Seigneur dans 2 Corinthiens 5 verset 8. Il dit m'ta bien aimé qui t'est comme ça pour m'aller auprès du Seigneur. Ça veut dire apôtre Paul expliquer s'il mourit kounia, il pral auprès du Seigneur. Il pas dit il pral exactement même côté avec le Seigneur, mais il dit il pral auprès du Seigneur. Dans la présence du Seigneur, ça veut dire dans le paradis de Dieu. Jésus même relé le paradis. Luc 23 verset 42 nous dit déjà. Mais bien aimé, tout le monde qui mourit sans Christ, ça qui pas sauvé, yo toujours aller dans le séjour des morts qui c'est un lieu de tourment. Kounia, question qui était pour poser, qui côté séjour des morts aye, et qui côté paradis ça y est. Nous pas quelques informations concernant paradis. Nous pas gagné en connaissance qui vraiment absolue de localisation séjour des morts. Mais parole bon Dieu ben nous quelques indices sur qui côté nous ca penser les localiser. Dans 1 Samuel 28, lui montrer c'est dans un endroit qui en bas la terre. C'est ça parole bon Dieu montrer.
au centre de la terre, au plus profond de la terre. Magicien non, comme le gars dit, magicien non, mande Saül, qui est-ce pour le faire monter? Et Saül te dit pour le faire monter, yon moun boule. Mais ça qui, puis confirmer ça, c'est le prophète Samuel qui dit, Saül, pour qui ça ou troublem ou fait monter? Il va dire ou fait descendre. Il dit pour qui ça ou troublem ou fait monter? Non, mais bien comprendre ça. Mais question, monter, sortir, qui côté? Dans 1 Samuel 28, verset 13, il écrit, moi, voyons Dieu qui a monté, sorti en bas terre. Nan mo bien comprendre ça dame nan di. C'est pas parce que nan prend parole magicienne nan prend parole sérieux tant que parole bon Dieu non. Mais une réaction nan pas de menti la donne. Nan mo comprendre ça, c'est pas menti, la planifier pour le bail. C'est ça l'ouais, li expliquer li bail ça l'observer. Et gen l'autre bagage qui expliquer ça m'a dit là. Li dit moi ouais un Dieu qui a monté sorti en bas terre. Texte a expliqué que c'est jour des mois. Pas dans une autre planète, j'en pile moun fait comprendre. Li pas dans une étoile, ni li pas dans le ciel là côté bon Dieu. Non. Au contraire, li en bas terre. Dans 1 Pierre chapitre 3 verset 19 et 1 Pierre 4 verset 6, apôtre Pierre expliquait les Jésus t'est mouri, li t'est allé dans ses jours des morts pour te al présenter l'évangile là par un groupe moun qui était incrédule dans l'époque Noé qui t'est mouri dans déluge là. Et pour te retirer tout croyant ancien testament pour aller avec eux dans le paradis. Apôtre Paul tout parler de ça dans Éphésiens 4 verset 8 à 9. Il dit l'elle te retourner monter là, il te tout mener tout captif avec lui. Captif apôtre Pierre t'a parlé et puis il bail les hommes en pile don. Il dit mais qui ça veut dire il monter? C'est parce que il était descend tout dans un endroit qui inférieur en bas la terre. C'est apôtre Paul qui dit. Il y a un côté qui bien fond en bas la terre. Selon mot Eboya. Mot Eboya utilise le mot Hadish. Qui signifie yon trou sans fond. Yon gros force qui en bas la terre que l'homme pas connaît. Mais littéralement, il veut dire dans un trait la terre. Tout ça explique que ces jours de moi, c'est bien fond dans une région qui en bas la terre lié. Selon parole bon Dieu, il n'est pas dans le ciel là. Ça veut dire, les païens mourir, c'est descendre, il descend, il va monter. Je répète, les païens mourir, il y a un monde qui n'est pas chrétien mourir, c'est descendre, il descend, il va monter en l'air. Kounia, qui côté paradis a y? En plus, nous pensons que paradis a c'est dans le ciel. Côté bon Dieu y est. On pas dit le pas dans ciel là mais on regarde exactement qui sa parole bon Dieu dit. Nous connaissons déjà que bon Dieu dans troisième ciel. C'est la trône lié et c'est là il vraiment habité. Dans même jour Jésus mourir, il monter dans ciel. Alors on pas dit dans même jour attends quoi pendant le fin mourir tout monter dans ciel. C'est pas ça me dit mais après l'elle fin ressusciter troisième jour. Les maris rencontrent ensemble avec elle, Marie pour elle toucher, elle dit pourquoi toucher, pas toucher parce que me pas monter à jeune papa. C'est que après elle fin mourir avant même lui foncer de bagage, lui monter à jeune papa. C'est ça nous essayer, c'est sa parole la montrer. Dans mon comprendre ça m'a dit là. M'a répété, nous connaît bon Dieu dans troisième ciel. Et les Jésus fin mourir après 3 jours, il est ressuscité. Nous pensons que après elle finit ressuscité, il est monté, l'almené. On a dit, il est monté, l'almené. Tout le monde qui était mort dans cet testament qui fait partie du peuple de Dieu, l'almené ou bien l'a établi ça nous est le paradis de Dieu. On a bien compris ça m'a expliqué là. L'almenio dans le paradis de Dieu. Mais pas qu'on est exactement est-ce que c'est dans le ciel là les côtés bon Dieu directement. Mais moi crois que l'imene dans le ciel là ouvrir ça relait le paradis, l'accès au paradis de Dieu pour tout le monde qui mourit et tout ça qui va mourir en Christ. Ça qu'a expliqué
que paradis a c'est en l'air lié dans le ciel. M'pas connait si c'est dans le trône de Dieu, m'pas croit c'est dans le trône de Dieu tout. Mais m'bral bon quelques versets bibliques qui montrent qui côté nous ta positionner. Dans Philippiens 1 verset 3, apôtre Paul dit lui envie quitter la terre pour aller avec Christ. Qui ça avec Christ là veut dire? Dans 2 Corinthiens 5 verset 8, il dit moi vrai quitter corps ça et aller habiter tout près de Dieu. Il pas dit même côté Dieu, il dit tout près de Dieu. Qu'il y a qui côté tout près de Dieu. Lui c'est le paradis de Dieu. Il n'est pas exactement même côté accéléré, mais il est tout pressé. C'est ça où est la présence du Seigneur. Dans Ouverture 5e soir, dans Apocalypse chapitre 6, apôtre Jean, comme de dit ça, apôtre Jean, même qui côté chrétien est allé, les est mort. Il dit, moi, il y a un bas l'hôtel là. Dans Apocalypse chapitre 8, verset 3, il dit, l'hôtel là, c'est devant toi, mon Dieu. Apocalypse 9 verset 13, il dit l'autel là c'est exactement devant mon Dieu. Moi pensé, ça c'est moi ta pensée. Après analyse verset nous lire, paradis c'est dans ciel là li. Mais nan yon lieu qui tout près mon Dieu. Nda mou bien comprendre samedi. Nan yon lieu qui tout près mon Dieu. En bas trône mon Dieu. Devant mon Dieu, selon Jean texte là, texte expliquer là. Bible a pas prouvé c'est directement même côté à bon Dieu. C'est après résurrection ou bien enlèvement l'église là, nous prenons le même côté à bon Dieu. Mais directement après nous fin mourir nous même comme chrétiens, nous tous qui chrétiens, nous pour aller dans le paradis. Qui c'est un lieu côté nous prenons le temps l'enlèvement de l'église ou la résurrection des morts en Christ. Qui c'est en bas l'hôtel là qui en bas trône mon Dieu tout près à mettre nous en Jésus-Christ selon apôtre Paul que bon Dieu va ouvrir yeux plus sur sujet ça me souhaite formation ça que nous faire li pral aider ou plutôt pour ou essayer comprendre que nous tous qui chrétiens nous gon côté nous pral aller nous gon côté nous pral tendre enlèvement de l'église là. Et moun ki mouri yo tout ki kote yo ale. Nous souhaite après formation ça ou cet esprit ouvri yo plus pour gen yon vision claire de ki sa ki rive immédiatement après moun après l'homme fin mouri. Ki li se païen, ki li se chrétien. Pa bliye nan formation nous faut konnen nous tout parle même côté. Gen ki descend mais gen ki monte. Kounya question pa c'est ki route ou ap fè. Après fin mouri immédiatement est-ce qu'on descend ou bien est-ce qu'on monte? Si ou accepte Jésus-Christ comme sauveur et ou a fait volonté bon Dieu, ou était dans la sanctification, Bible a montré à profit de mourir ou a monté. Mais si ou a vivre dans péché, dans immoralité, dans iniquité, ou bien ou pas un chrétien du tout, à profit de mourir ou a descend. Que bon Dieu bénisse.